The ashes of the era of the Thousand Kingdoms are long cold. Eressa, the city of the gods, stood for centuries. But now that the divine rulers are gone, all types of people have begun to flock there, lured by the promises of riches and glory. Mercenaries, ambassadors, cultists. People come here to ask for help, offer services, or conclude other nefarious deals. Few are bold enough to descend into the ruins of the City of the Gods. But they are all looking for something. Adventure, personal quests, or wealth. Ultimately, we are all drawn here to unravel what lies beneath Eressa. Et salut à toutes et à tous, c'est Crane, je suis là, c'est bon. On a profité de la petite intro avant que j'apparaisse. C'est la découverte de Beneath Eressa. Ça y est, le jeu est sorti d'Early Access. Je ne l'avais pas testé à l'époque. Et en plus, j'ai beaucoup de chance. C'est une OP. C'est vraiment une OP que j'ai voulu, que Élise m'a eu. Merci Élise, parce que j'avais très très envie de découvrir ce jeu. Vous avez un petit lien dans la description. Je vous invite à cliquer dessus si vous êtes sur YouTube. Ça vous emmène vers la page Steam. Le jeu est à moins 30% actuellement, en tout cas au moment de faire la VOD. Et c'est des liens traqués. Donc si vous pouvez cliquer dessus, parce que comme ça ils voient plein de gens cliquer et ils disent oh c'est trop bien de travailler avec Crane, etc, etc. Même chose pour les gens sur Twitch, vous avez la commande point d'exclamation Eressa et pareil vous avez un petit lien qui emmène sur Twitch, donc pareil si vous pouvez cliquer c'est parfait. Voilà, donc très très curieux de découvrir ce jeu. Pour la petite info pour les gens qui sont sur YouTube, c'est une OP de dernière seconde, mais vraiment de dernière seconde. Je devais pas la voir, ça devait être uniquement des vidéos, et vu que je suis streamer, bah à la base ils disaient non, on veut pas d'un stream, etc. Et Élise m'a eu ça en me disant mais par contre faut le faire aujourd'hui, etc. Tout ça, je t'envoie tout dans la journée. Donc là on vient de tout installer en live, tout fonctionne, il y a eu plein d'accidents, au lieu de lancer la VOD, j'ai coupé le live, il s'est passé plein de choses, mais ça y est, ça fonctionne, on va pouvoir découvrir le jeu, donc c'est de la découverte totale, let's go. Allez, nouvelle partie, hop. Donc comme d'habitude, un nouvel VOD, si vous voulez bien laisser un petit message pour aider au référencement, merci. Vous pouvez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous pouvez activer la cloche aussi pour être alerté des sorties, et mettre des petits pouces, tout ça, let's go. Alors, chaque combat, et oui, si vous vous demandez, depuis la nouvelle loi, on est obligé de mettre un truc genre publicité ou je sais pas quoi, c'est très très moche, on a beau le dire partout que c'est une OP, il faut quand même afficher et gâcher l'expérience de visionnage des gens, mais c'est la nouvelle loi, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en face de nous? Malédiction, patrouille, qu'est-ce qu'on a? Gagner 5 HP, guilde de minières de cristaux, apprenti. Il n'y avait pas un tuto avant, juste, je vois. Archive des compilateurs dans nouvelle partie. C'est bien. Ok, bah let's go. Hein. Chaque combat de l'étage, 1, gagner 2 shields. Gagner 5 HP max. Gagner 10 HP max, perdre 10 HP. Qu'est-ce donc? Et bah, on va faire le premier truc qui nous est proposé. Hein. Alors, Sora, on voit qu'il y a plein de personnages à débloquer. Les marqués, maison Agissa de Ferradi, guilde des marches ruines. Débloque niveau 31, débloque niveau 5. Ok, bah pour l'instant, on n'a pas le choix, donc on va faire ça. Votre compteur de virus. Ah, je suis devant le nom. Hop, on va se cacher. Touk. Sora, votre compteur de virus est égal au nombre de virus dans le jeu. Ok, c'est absolument pas ce que ça veut dire pour le moment. Chaque combat, gagne une carte spéciale à 5, 10 et 15. Déchaîner la malédiction de Cobalt. Chaque combat, gagner un massacre par étage. Quand le compteur de virus atteint 8, se transforme en machine à tuer une fois par combat. Ok. Carte de héros, carnage sanglant. Alors, déjà, c'est un jeu, vous allez voir, les combats sont très intéressants. Même la façon visuellement dont c'est fait, tout ça. C'est ça qui m'a attiré l'œil. Et aussi la DA, que j'aime beaucoup. Donc, carte de héros, Sora, carnage sanglant. Donc ça coûte 1, j'imagine, mana, ça fait 12 de dégâts. Ajouter un virus à la pioche, si la cible est loin, gagner 2 quelque chose. On gagne 2 furies temporaires. Augmente les dégâts des attaques, d'autant que cette valeur jusqu'à la fin du round. Ok.
Alors, on a quand vous jouez un flambé, un trait n'a pas de règle intrinsèque, mais interagit avec d'autres effets, piochez cette carte. Ok. Et virus, si cette carte est défaussée par la fin de tour, subissez 2 dégâts. Ok. Attends. Parce que ça, on voit virus. Mais à quel moment ? Ah si, ajouter un virus à la pioche à cause de ça. Ok. Donc ça, tuer les tous, ajouter un virus à la défausse, gagner un massacre, gagner 10 boucliers. D'accord, massacre. Ça coûte 0 et ça fait 8, mais tu pioches un virus. Ok. Et on a transformation brûlante, infliger 8 dégâts à chaque adversaire et gagner 8 armures en vous transformant, répétez cet effet. Ok. Donc on se rappelle, chaque combat gagne une carte spéciale à 5, 10 et 15 et un massacre par étage quand le compteur de virus atteint 8 se transforme en machine à tuer. Donc ok, let's go, on y va. Donc, drone de combat médical, assistance mécanique. Ok, donc ça pareil, si le jeu me plaît, ce qui est bien parti pour de ce que j'en ai vu. On a plein de trucs à débloquer, j'ai hâte de voir ça. Capacité de collaboration, gagner un drone de combat parmi 3. Ok. Comment ça va en 128e jour de ce bâton? Très bien. Je découvre un jeu qui me faisait de l'œil depuis un moment. Donc je suis particulièrement content et en plus c'est sponso. Donc la vie est belle. Regardez comme il est beau ce jeu. Non. Alors, on est en train d'avancer vers le point d'après où il y aura fouille. Piocher, donc combat, choisir sa stratégie, ruer, piocher une le premier round ou poisse, piocher deux puis défausser en deux le premier round. Attends. On a le choix entre ruer où on a un bonus ou poisse. Ah, mais poisse, ça permet de nous choisir notre main quand même, voilà. Mais de base, poisse... Je l'ai depuis longtemps en Early Access, il est vraiment très sympa, il y a beaucoup de boulot. Allez, ruer. Regardez les combats comme ils sont classe, non, visuellement c'est insane. Ok, alors il y a plein d'autres cartes différentes, donc il doit y avoir des cartes de base, vigueur maudite. Donc ça, à chaque fois que je les joue pas, je prends un dégât à la fin. Donc on a un Billy qui a 40 points de vie, comment jouer? Bah vas-y, on va cliquer sur les trucs. Hein. Pendant votre tour, dépensez vos ressources pour jouer vos cartes. Ok, les ressources, c'est ça. Lorsque vous avez terminé, vous cliquez sur le bouton fin de tour, en bas à droite, ok. Les ennemis jouent selon leurs intentions, puis un nouveau tour commence. Ok. Jusque-là, on peut virer celle-là. Comment cibler? La souris ou AD? AD, ça veut dire qu'il faut du QWERTY. Ok, sinon on peut le faire tout simplement. Ouais, mais le jeu, il est magnifique. Hein. Le jeu, il est incroyable. Hein. Ok. Ah, pour un rogue à deck builder, etc., c'est insane. Ennemi. L'action que l'ennemi va effectuer ce round. En 1. En 2, tout modificateur ou capacité spéciale dont dispose l'ennemi. Très bien. En 3, réduisez-le à 0 pour détruire l'ennemi. Logique. Et 4, position, règle spéciale appliquée à l'ennemi ce tour-ci. Je ne connais pas, on verra bien. Héros. Impulsion. Ce avec quoi vous payez le coût des cartes. Donc c'est le mana. Pouvoir et statut, tout modificateur ou capacité spéciale que vous possédez actuellement. Ok. Point de vie. Ok. Encaisse et 4, c'est quoi? L'armure. Encaisse les dégâts à la place de vos points de vie. La valeur est réinitialisée à chaque round. Ok, on ne garde pas notre shield entre les... Très bien. Zone. Il y a 2 zones dans une arène. Les combattants dans la même zone sont considérés proches les uns des autres et loin ceux dans l'autre zone. Oh. Adversaire proche, adversaire loin... Et 3, il n'y a pas d'action spécifique pour changer de zone. Pour se déplacer dans une zone, il vous faut une attaque. Il faut attaquer un adversaire dans cette zone avec une attaque de mêlée. D'accord. Ça promet tellement. Bien que durant votre partie, il soit possible de quitter le jeu à tout moment et de reprendre ultérieurement sans contrainte, quitter un combat en cours est considéré comme un abandon et ne permet pas de reprendre sa partie. Ah, ok. Tu peux quitter entre les combats, mais pendant les combats,
C'est que t'abandonnes. Ok. Ok, good. Good, good, good. Du coup, vu qu'il n'y a plus rien en haut, on va se mettre là, je pense. On va voir si on est bien ici. Tac, tac. Ok, let's go. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a vu que ces cartes-là, si on ne les joue pas, déjà, qu'est-ce qui se passe ? Lui, il m'attaque de 8 de mêlée et lui, il m'attaque de 4. Et il nous met un debuff. Inflige 8 de dégâts adversaire et gagnez 8 d'armure en vous transformant. Répétez cet effet. Donc, pour la transformation, il nous faut 8 virus. Hein, c'est bien ça. Hein. Ça, malédiction de Cobalt. Votre compteur de virus est égal au nombre de virus dans le jeu. Chaque combat, gagnez une carte spéciale à 5, 10, 15. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on veut ? Donc on va peut-être vouloir sortir lui en premier. Hein. 8. Ah non, je voulais l'autre. Oui, bon, c'est pas grave. Oh, c'est tellement beau. Mince. Déjà, je me suis planté de ciblage. Donc ça, on est d'accord. Je frappe tout le monde. Hein. Ok, et il me reste 10. Du coup, je peux aller le frapper lui. Mais... Attends, j'étais pas sans... Ah si, j'ai gagné 10 d'armure. Donc logiquement, piocher un virus. On va frapper l'autre. Ok, il nous reste un de mana. Donc là, on va prendre ces deux dégâts à chaque fois. Donc on veut jouer un truc. Ah non, peut-être que... Alors c'est pas considéré directement virus. On va voir. Et là on rechoppe ça. Bon, je pense que j'aurais pu tous les tuer tour 1, mais vu que je connais pas le jeu encore. Bon, le jeu il est incroyablement magnifique. Le jeu il est juste exceptionnel. Ok. Ouais, les cartes vertes c'est compétences, les autres c'est attaque, je le vois un peu comme ça aussi. Bon, on va juste le tuer. Hein. Oh, quand tu joues vite, ça doit être un des rares jeux où jouer vite doit être méga classe. Alors, apprendre de nouvelles techniques. Ça, tu gagnes... Ah oui, non, c'est juste compétence, en fait. C'est juste que virus, c'est une compétence. D'accord, ok, ok. Gagner 9 d'armure, défausser 1 de la pioche, ajouter un massacre à la pioche. Ok. Esquive rapide, si la cible est loin, gagnez 15 d'armure. Ou siphon occulte, recule, si l'attaque détruit sa cible, gagnez 1 mana. Oh, ça a l'air sympa, siphon occulte. Le petit gain de 1 mana, là. Hop. Non, les cartes... De quoi ? Oui, bref. Ça a l'air sympa. Ok. C'est potentiellement le plus beau rogue que j'ai vu de ma vie. Non, je sais pas. Non, je sais pas. Fouille. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné ? On a gagné améliorer 2 cartes parmi 6, retirer une carte. Gagner un anticorum, c'est pas ce que c'est. Ou gagner un anticorum parmi 4. Bon, j'ai très envie d'améliorer mes cartes, mais comme je sais pas ce que c'est un anticorum, on va cliquer sur... on va choisir un anticorum parmi 4. Alors, choisissez un anticorum. Donc, ça doit être les reliques. La première fois, chaque round qu'un adversaire est détruit, gagnez 8 d'armure. Okay. Vos attaques d'un coup de 2 infligent 8 dégâts de plus. Quand une attaque est défaussée par un effet, elle gagne 5 dégâts en plus. Chaque round, chaque adversaire perd une furie et une furie temporaire. Oh, pacificateur d'Agorath, ça peut être pas mal. J'hésite entre fléau débrûlé ou pacificateur. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de carte d'attaque à 2. On n'a pas d'effet de défausse de carte. Donc ça se joue entre le 1 et le 4. Le 1. Ok, vous êtes team 1. Let's go team 1. Bon, il n'y a qu'une seule personne qui a voté là. Qu'est-ce que vous voulez, 1 ou 4? 4. Fléau pas mal pour un peu safe. 1. 4. 4, 4, 4, 4. 1, 4, 4, 1. 1, 4, 1. 1, 4, 1. 1, 1, 4, 4, 1. Oh, je sais plus, le 4 serait devant et je crois que le 1 il est revenu. Bon,
4, 4, 4. Oh, il y a plein de 4 d'un coup. Ok. Allez, le 4 a gagné. Let's go. Oh non! On marche dans un truc vert chelou. Alors, combat, endurer, perdez 5 PV, meilleure récompense ou pas d'effet? Moi, je dis qu'on va endurer. Hein. Il faut grid. Let's go, perdre 5 PV. On grid. On aura une meilleure récompense. Ok, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a de l'attaque à 10, de l'attaque à 10, de l'attaque à 8. Donc on peut complètement... Ouais, let's go. Bim! Bim! Oh, c'est trop classe. Oh non, mais le jeu, t'as envie de le speedrun, quoi. Il nous frappe à 5. On a que 2 d'armure. On pourrait avoir 10, hein, si vous aviez pris la bonne relique, mais bon, c'est pas grave. On va aller le frapper. Bim. Bim. Let's go. Bim. Ensuite. Bon, let's go, hein. Tiens. Non, mais c'est... J'avais une discussion ce matin avec un pote. Enfin, j'ai envoyé un message sur Discord. Et parce que j'étais en train de tester un truc technique d'un truc qui a marché direct, qui s'est connecté, et ça marchait trop bien. Et comme je m'intéresse à plein de trucs un peu techniques, et je lui dis, c'est ouf, je suis comme un gamin, alors que c'est un truc qui est limite un peu logique, mais vu que je l'avais jamais fait moi-même, ce truc technique, je suis comme un gamin, et j'arrive encore à m'émerveiller de trucs, alors que je bosse dans tel milieu, etc., etc. Et ben là, c'est pareil. Je fais du jeu vidéo toute la journée, je fais plein de rogues, et là, je suis en train de jouer à ça, et je suis comme un gamin. J'en prends plein les yeux, quoi. Des attaques à 2, en effet. Mais est-ce qu'on veut des attaques à 2? Pas forcément. Quand vous changez de zone, chaque adversaire subit 4 dégâts non létaux. Alors, est-ce que ça reste tout le combat? Ça peut être intéressant. Oh, et tu peux faire du tin. Si la cible est loin, gagner 15. Le problème, c'est que si la cible est pas loin, c'est un peu nul. Lourdes 7, gagner 1, piocher un virus, gagner un virus. Ah, c'est peut-être très très bien pour nous, ça. C'est peut-être génial. Ah! Ah oui, non, c'est génial, ça, pour nous, spasme corrompu. C'est génial. Salut, Smash. J'arrête? De quoi les taux se resserrent? Non, je ne sais pas. Cette musique me fait tellement penser à la série DAC. Oui, mais va falloir quelques virus. Bah justement, piocher un virus, gagner un virus. Mais au pire, ça fait piocher et gagner un virus. Donc c'est intéressant pour nous. Et c'est quand même une grosse attaque de base. C'est juste l'effet de... Tu peux voir les améliorations aussi. Je veux pas. On verra par la suite quand on pourra améliorer des cartes. Je préfère parce que c'est vraiment très cool pour la découverte que tout de suite d'aller voir toutes les améliorations. Donc on peut améliorer une carte parmi 3, on peut augmenter votre collaboration de 1 ou retirer une carte. Bah justement, on va... Ok, choisissez des cartes. Carotropine. Injectable, drain réutilisé, gel cicatrisant. Ouh, gel cicatrisant, déjà ça a l'air bien. Donc choisissez 2 attaques dans la pioche, effacez-les. Ajoutez 2 attaques à la pioche, potentiellement améliorées, piochez une attaque. Ok. Drain réutilisé, infligez 10 de dégâts à chaque adversaire, 15 ou 20. Bon, ça c'est méga fort. Ou alors on gagne 15 d'armure, on soigne de 5. Piocher activité croissante. C'est quoi activité croissante? C'est pas... 2 ou 3. 2 ou 3. Tant qu'il y en a... Ouais, je sais pas. 2, 3, 3, 2, 2... 2 et devant pour le moment. 3, égalité. 3, 3, 2, 1. Un avantage pour le 3. 2, égalité. 2, le 2 est devant. 2, le 2 a 2 d'avance. Attention. 1, voilà, 3. Donc le 2 a toujours 2 d'avance. Ah bah il a gagné. Allez, let's go. Hop. Donc là, on peut améliorer. Ah, on a le choix entre 3 cartes à améliorer. Moi, je propose... Oh, il y a 2 améliorations à chaque fois. Donc soit gagner 12 et ajouter un virus à la pioche, ou soit gagner 12 et défausser un virus aléatoire de la pioche. Mais attends, on veut quoi, nous? Non, on veut ajouter des virus à la pioche, on veut pas défausser des virus. Moi, je veux des virus, moi. J'aime ça, les virus. Les virus, c'est ma passion.
Bon, par contre, c'est un peu nul qu'on ait eu que les cartes de base. On a eu 3 defs normales. Alors, je peux piocher une carte le premier round ou soigner 5 PV. Je suis à 150, vas-y, on va soigner. On a tenu. Let's go. Alors, il y a 3 billets à 25. Il me frappe à 16. Donc, on veut... Si l'attaque détruit sa cible... Donc, on peut faire 8 et 8, 16. 28, on regagne un point. On veut tuer lui, bien évidemment. Donc, on va faire ça... Ça, et on regagne un d'armure, un de mana, ok. Maintenant, on prend 10, on a déjà 10 d'armure, donc on peut faire ça. Et du coup, on va se remettre de l'armure au cas où. Fin du tour. Alors, on peut se faire... Bon, en vrai, là, on a gagné, mais... Ah, mais tu peux pas l'acheter... Anne... Lourde. Ah, ne peut pas être joué sur une cible loin. Oui, non, c'est tout. Ok, ok. Donc là, je peux juste faire ça. Bim. Et puis ça pour finir sur lui. Et puis voilà, on a gagné. Hein. Oh, j'aimerais bien une option de pouvoir rejouer le combat en direct, tu sais, à la fin, t'as fait toutes tes attaques et t'appuies sur un bouton et tu peux revoir tout le combat. L'autre dev, c'était pas l'améliorer. J'avoue, j'ai pas vu. J'avais déjà oublié. On peut avoir un deuxième spasme corrompu, mais ça me paraît beaucoup. Consommable. Cette carte est retirée de façon permanente du jeu quand elle est jouée. Ah. De façon permanente, c'est pas... Ah. Défense renforcée, gagner 13, défausser chaque virus de la main... Pour chaque... gagner un. Par contre... Attends, les effets, c'est pas les virus en main. Donc en vrai, c'est très intéressant pour nous, défense forcée, non? Parce qu'on les veut dans le deck. On les veut pas... on s'en fout qu'ils soient... S'ils sont pas dans notre main, c'est très bien, en vrai, non? Oui, je n'avais vraiment pas vu. Ouais, on est d'accord que nous, on veut des virus dans le deck. On veut pas forcément des virus dans notre main. Donc, est-ce que défaut, ça fonctionne? Je pense que oui. Hein. Je pense que le 2 est très très bien. Hein. On avance. Je m'installe pas confortablement, je vais y jouer direct, oui. Alors, améliorer une carte parmi 3, soin de 30% vos PV, augmenter votre collaboration de 1. On les a toujours pas vus, ces cartes. Améliorer, c'est cool, mais je trouve ça sympa d'être plus copain. Vas-y, je veux être un copain, un ami. Vous avez compris. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Choisissez de gagner un rage ou virus pour 0 et piocher une carte. Donc ça, c'est pas mal parce que ça fait... tu peux la cycler. Ça prend absolument rien dans ton deck. Donc ça, j'aime beaucoup. Ça, on l'a déjà vu. Choisissez une attaque dans la pioche. Piochez là. Son coût augmente de 1. Ses dégâts de 25 et elle gagne passante. Piocher vapeur apaisante. Non, on va complètement prendre la première parce qu'elle permet de piocher, elle permet de cycler. Enfin, tu perds 0 sur ton cycle et en plus, t'as un avantage, j'aime bien. Je vais prendre ça. On est level 2, on s'entend trop bien avec mon petit robot. Alors, je peux attaquer, il se passe rien, ou je peux défausser une carte au hasard le premier round, des meilleures récompenses. Bon, c'est vraiment le jeu où tu grides. Hein. Ok. Alors. Ça met 19 de dégâts et j'ai absolument... aucune. Donc 25, 38, 38, 46. Donc on peut tuer lui. Déjà, c'est pas mal. Donc on va faire. Donc j'ai pas moyen d'avoir de virus. Hein. Alors ce qui est dommage, c'est que il faudrait jouer elle en premier. Mais on peut pas. Parce que. Attends, peut-être que si on peut. Ah oui, mais je perds des dégâts. Parce que là, ça fait 13, 21, tandis que là, je suis obligé de jouer les deux, donc c'est pas ouf. Donc, on va jouer ça. Ah, il y avait une possibilité. Non, ça marchait pas. Ensuite, on joue ça. Ensuite, on joue ça.
bon, on a 2 d'armure. Et on va prendre du dégât à cause de ça. Et ensuite, ben, on va jouer ça, hein, pas le choix de toute façon. Ok, fin du tour. Donc là, on prend 2, on prend 4, on reprend 5. Donc on a pris 9 dégâts quand même. Ensuite, frigidité. Encre passante. Chaque round, le coût de cette carte change. Chaque round, tant que cette carte est dans votre main, subissez 2. Cool. Donc, on va lui casser la figure. 1, 2. On va... Est-ce que c'est considéré comme un virus ou pas? Non, c'est pas un virus. Hein. C'est pas considéré comme un virus. Hein. Donc, on va faire ça. Ok. Donc là, on peut choisir de gagner un rage ou virus. Rage, piocher. Oh, c'est trop bien. Ah non, encre passante, piocher 1. À la pioche, piocher 1. Ah, encre. D'accord, ok. Cette carte n'est pas défaussée par la fin de tour. Et passante, cette carte est effacée du jeu pour le reste du combat quand elle est jouée. Ok. Ah oui, non, elle est géniale, cette carte. À la pioche, piocher 1. Ah si, donc c'est... Attends. Qu'est-ce que ça fait, là? Je vais voir, attends, je veux juste voir, mais on est qu'à 4. Est-ce que j'ai un moyen de rajouter un virus? Non, j'en ai pas, hein. Ah, mais j'ai même pas de quoi le tuer, en vrai. Ah si. 3, 15 à la place. Donc là, je lui fais 15 de dégâts. Plus 8. Ah oui, non, c'est la loose. Hein. C'est la loose. Hmm. Ok. Ok, il lui reste 2 et je peux absolument rien y faire. Ok. Et merci Tommy pour le sub offert à Socrcute. Merci beaucoup. Et puis là, on le tue, hein, y a pas de... Attends. Est-ce que... Ajouter un virus à la défausse. Voilà, on passe à 5. Qu'est-ce qui se passe en passant à 5? C'est là qu'on a flambé de cobalt? Ouais, on a eu flambé de cobalt. Qui est donc gagner 1 d'énergie et, une, et piocher une carte. Voilà, c'est un peu du BM ce qu'on fait, mais c'est pour voir les cartes. Et on le tue. Let's go. Ok. C'est un Socrate anglais, c'est ça. Il y a un lien sponsor pour acheter le jeu. Point d'exclamation, Oreza. Alors, je touche absolument jamais, j'accepte jamais de toucher des sous sur les ventes ou quoi que ce soit. Hein, donc, hein. Mais vous pouvez au moins cliquer sur le lien. Là, par contre, ils voient que c'est un lien traqué. Et ils disent, oh, c'est cool, plein de gens ont cliqué sur le lien chez Crane. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Gagner 17 d'armure. Pour chaque virus en main, un adversaire aléatoire pioche proche gagne 2 furie. Ah non, c'est pas bien, ça. Ventilation de chaleur, infliger... Par contre, on ne peut pas refuser les cartes sur ce jeu. J'ai l'impression qu'on ne peut pas refuser les cartes. Hein. Inflige 14 de dégâts à un adversaire proche au hasard. Inflige-les à tous les adversaires proches. Inflige-les à tous les adversaires. Bon, ça, par contre, c'est très bien. Et limité, vous ne pouvez jouer qu'une seule carte limitée par tour. Ça coûte 0 et tu gagnes 4 furies temporaires. 2 ou 3, les deux sont bien. Hein. Les deux sont pas mal. Mais je dirais, ouais, peut-être 2. Vous votez tous 2 en plus. C'est intéressant si tu ne peux pas refuser les récompenses. Alors, on peut retirer une carte et gagner 2 exceptionnels parmi 4. Ou on peut gagner 10 PV max, augmenter les dégâts d'une carte de 3 et gagner... Gagner une carte exceptionnelle parmi 3. Vas-y, des PV max. Puis augmenter les dégâts de... Alors, quelle est la carte qui nous... clairement, siphon occulte, hein, ça nous assure de tuer plus facilement une cible. Donc je dirais siphon occulte. Ok. Et apprendre de nouvelles techniques. Donc c'est 24... Lourd, pour 5, on gagne 8. Ajouter un virus à la pioche. Chaque round, gagner 5 d'armure, ça j'aime bien. À la fin de votre tour, efface une carte de programme. Donc c'est celle-là, aléatoire dans le jeu, pour gagner 15. Ouais, non. Je pense qu'on va prendre peau métallique. Peau métallique pour avoir un petit 5 d'armure à chaque tour, ça m'a l'air pas mal.
Alors, on peut avoir de meilleures récompenses ou attaquer, mais... Ça me semble... Alors là, c'est marqué meilleure récompense, mais là, on est d'accord que c'est un gros ennemi, donc logiquement... On l'a pas eu encore, cette icône, c'est un élite, hein. Oh, let's go tester un élite, hein. On va tester un élite. Ok, 55. Et là, il va annuler la prochaine attaque et ses effets contre lui. Ok. Bon, on risque de galérer. Surtout qu'on n'a pas eu la... Donc on est à 25, 35, 41, il nous manque 14. 41 et 8, 49. Mince, on peut pas. Oh là, la lose. La lose. 49, on peut faire que 49. 49 et on se met pas d'armure. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Sachant qu'on prend 7 et 7, 14, 20, donc il y a un monde dans lequel en fait on joue pas ça, mais bon. Dur. Bon, on va jouer ça. Ah, on a eu un autre massacre. Mince. On a quand même pas assez, hein. Il n'y a pas de... Ça fait 26. J'ai combien? J'ai que 12 de shield. Mince. Attends. Ok, et ça l'a... Oh, ça l'a propulsé. Intéressant. Bon, on s'est fait défoncer. Qu'est-ce qu'on a? On est à combien? On est qu'à 1? Donc on prend 21 derrière. On a absolument... Après, on n'est pas aidé par les pioches, là. On n'est vraiment pas aidé, hein. Pas trop le choix, hein. Ah, mais ça a annulé. Ouais, c'est bien. Tant pis. Ok, 125 HP. On va se refaire. Qu'est-ce qu'on a? Vas-y, on monte à 2. Est-ce qu'on a un autre moyen d'avoir un virus? Oui, on a ça. Donc on veut frapper l'autre. Là, on ajoute un virus, on est passé à 3. À 3, ce qui veut dire qu'on peut faire 14 sur tout le monde. Et il nous reste que 2. Ok. Bon, on va y arriver, mais juste on aura pris méga cher, quoi. Et là, il annule la prochaine attaque, donc on peut même pas le tuer. Il frappe à 22. Ouais, on va faire ça, hein. Bon, là, on a masse armure, donc tout va bien. Ah, c'est vrai que je regarde pas ça. Quand cet adversaire est détruit, gagne 15 d'armure. Oh. Oh. Mais il annule la prochaine attaque, donc je peux pas... Après, peut-être que tant que je fais rien, de toute façon, il annule, donc... Oh, wow, c'est bien ça. Parfait. Ok. Donc là, on est à 6. Donc ça veut dire qu'on lui fait 14 de dégâts. Donc, normalement, il les prend. Ensuite, on fait ça. On annule et on le tue. Ok. Ah, c'est vraiment intéressant, hein. Et on gagne une relique qui s'appelle un anticorum. Chaque combat gagne une purification. Choisissez deux cartes dans la pioche et effacez-les. Intéressant.
Ajoutez un précepte de loyauté au jeu. Chaque round, gagnez 5 d'armure par précepte déjà dans la main. Précepte de loyauté. Choisissez 2 cartes dans la défausse. Réduisez leur coût de 1 jusqu'à ce qu'elles soient jouées et mélangées dans la pioche. Toutes les 4 cartes d'attaque que vous jouez, un virus de la pioche est défaussé. Qu'est-ce qu'on prend ? Je dirais la une. Les animations sont cool, rien que le perso qui agite son poing après avoir frappé le bouclier adverse montre l'attention au détail. La 2, la 3, la 2 ou la 1 ? La 2. Il faut que les préceptes soient dans la main. Mais du coup, chaque round gagnait 5 par précepte déjà dans la main. Donc c'est au début si tu le pioches. Mais sinon c'est une carte à 0. Ouais, on peut tester. Ah non, vous votez tous 1 maintenant. Ok. 3. Et masse vote 1. Et let's go. Let's go, let's go. Alors, on peut améliorer une carte parmi 3. On peut soigner 30% des PV, augmenter notre collaboration. Ah. Qu'est-ce qu'on a derrière ? On a un autre fight d'élite. Et derrière, il y a encore un autre fight d'élite. Bon, je dirais un petit soin, là. Même si... Ouais. Non, je dirais un petit soin. Collaboration, on peut avoir un heal dedans, donc c'est intéressant, mais peut-être que c'est peut-être plus safe. Moi, je pense qu'améliorer une carte, c'est le pire choix des trois, mais... Je sais pas. Ça peut être fort après, mais... Ah, on va la jouer safe. On est full life, c'est bon. Voilà, je vous sais, c'est notre première run. On connaîtra nos forces après. Alors, gagner un injecteur, ce combat, les adversaires se soignent de 3 PV par round. C'est quoi un... Je sais pas ce que c'est un injecteur, donc on va prendre. Hein. Apprendre de nouvelles techniques, gagner une carte. Cristaux de panacée. Ça, ça fait piocher, gagner... Oh oui, c'est bien, dis donc. Oh oui. Ok, 55, 135. Ok. Quand cet adversaire est détruit, chaque adversaire subit 25. Ça, j'aime bien, ça. Quand cet adversaire est détruit, chaque adversaire subit 65. Ah, donc ça veut dire que si je focus lui, on tue les deux autres. Quand cet adversaire est détruit, chaque combattant proche subit 15 points de dégâts. Chaque round, un adversaire au hasard gagne 4 points de vie. Bon, en vrai, je sais pas quoi penser. Choisissez 2 cartes dans la pioche et effacez-les. On va commencer par ça déjà. Alors, qu'est-ce qu'on veut effacer ? On veut effacer... Bon, on va effacer une vigueur, une frappe. Histoire de... Je pense qu'on va faire ça. Hein. Comme ça... Ouais, une vigueur, une frappe. Ça a l'air bien. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a ça, mais on n'a pas de virus pour le moment. On a lui qui est à 2. La vraie question, c'est est-ce qu'on peut... Je pense pas qu'on puisse le focus. Hein. Je pense que c'est beaucoup, beaucoup trop dangereux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire ça. On a envie de monter nos virus, mais... Mais voilà. Dur. Il a 155 de vie, gros. Donc ça lui fera déjà moins 50 HP si on tue les deux. Ah, donc c'est pas mal. On est sur une grosse vibe slay. Oui, mais vraiment très original, quoi. On va la tenter. Tuez-les tous. On va directement passer à 3 virus, ça c'est très très bien. Donc, du coup, on va frapper lui ici. Ah, parce que ça a un intérêt. Distance. Non, ça change rien. Donc on fait un massacre, ça nous file un virus. Ah non, il fallait créer le virus.
Parce que ça, ça aurait été intéressant, mais je vois pas comment on peut. Parce que si on fait ça, on fait un virus, on crée un virus, mais là, on peut pas jouer celle-là. Et celle-là, il faut absolument... Bon, vas-y. Donc là, on s'est mis de l'armure. Piocher un virus. Il nous reste deux, donc à mon avis, on veut jouer ces deux-là. Ok. Oh, mais les animations, elles sont incroyables. Bon. On a 16, on a 10, 10. Donc 16 et 10, 26 et il a 28. Tout ça à cause d'huile de 3. C'est la loose, mais c'est pas grave. Ok, maintenant... Cinq d'armure maintenant à chaque tour. Ouais, vas-y. Est-ce qu'on gagne ce tour-ci? Non. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc on a ça qui nous fait gagner 2, qui reste en main. On a ça, mais il faudrait 3 virus. On a ça qui ajoute un virus à la pioche et qui nous buff. Donc ça, ça va être génial. On va commencer par ça. Suivi. Par ça. Faut pas le passer à 5, non. Voilà. Ok, nickel. Ensuite, on est à 5 d'armure. Il nous frappe à 13. d'armure. Refaire 12 dégâts et remettre de l'armure ne nous intéresse pas plus que ça. Ah! C'est pas fifou comme main. Ok. Nickel. Tuez-les tous. Donc on est à 4. Ok, donc là, on veut aller là-bas, suivi de ça. Après, mince, il manquait peut-être un virus. Non, c'est pas bon. Ensuite, on veut ça. Ah mince, il est déjà mort. Ok, c'est bon, c'est gagné. Très intéressant. Ajoutez un précepte d'honneur au jeu. Quand vous jouez un précepte... Une carte d'attaque dans la main gagne 5 dégâts plus. Donc on a pris le précepte tout à l'heure ou pas? Je me souviens plus. Je crois que oui, hein. Est-ce qu'on avait pris on avait pris le précepte ou pas tout à l'heure? Est-ce qu'on peut faire apparemment des combos de précepte? Quand le combat commence, une attaque au hasard dans votre main gagne 5 dégâts jusqu'à être jouée et vous gagnez 1 d'énergie. Ah, ça c'est très très bien. Pour le premier tour, c'est vraiment très très bien. À chaque pioche d'un injecteur, gagnez 1 d'énergie. À chaque utilisation d'un injecteur, gagnez 10 points de vie et piochez une carte. Ah! Oh, tout est bien! Tout est bien, mais ça fait du soin, le 3. Et en plus, ça... Oh, tout est bien! L'injection, c'était inconsommable? Non, je crois pas. Hein. On l'a dans le deck, l'injection, maintenant. Je crois pas. 1, 2 ou 3, le reste est nul. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, le soin, c'est quand même très cool. Hein. Je pense qu'on va prendre le 3, du coup. Si c'était marqué consommable, ah, donc on l'a plus. Ah, on va peut-être pas prendre le 3. Si c'était les consommables, oh mince. Bon, on va peut-être pas prendre le 3 du coup. 2, c'est bien, ça nous fait un très bon start. Oh vas-y, 2, allez. Ok.
Alors, on peut gagner une carte parmi 4 et l'améliorer. On peut augmenter les dégâts d'une carte de 5 et gagner un injecteur. Ah bah oui, bah bravo! On peut gagner 5 PV max, on peut gagner une carte inégalée ou augmenter, et augmenter notre collaboration. Je pense que je vais prendre la 2 parce que je suis vexé sur les injecteurs. Let's go. Alors, apprendre de nouvelles techniques, gagner une carte. Augmenter la taille de la main de 1. Oh, chaque round, 10% de chance d'ajouter un virus. Oh, oh, oh. Nouvelle collaboration. Gagner 15, soigner 5. Piocher activité croissante. Gagner 15, sur un adversaire proche subit un dégât. Piocher gel cicatrisant. Limiter, gagner 1, ajouter un virus à la défausse. Ça fait pas piocher, donc... Bon, après, faudrait regarder, ça se trouve, l'amélioration. Hein. C'est normal ? Là, on devrait voir les améliorations. En fait, ça s'améliore pas. Non, ça s'améliore pas. Alors... Ouais, la une, je dirais. Vas-y, la une. Let's go. Ça nous fera un petit soin. Et de l'armure. Alors... Ce combat augmentait votre énergie max de 1. Ce combat augmentait votre énergie max de 1. Bon, on est d'accord que nous, on fight des élites dans la vie. Hein. Dans la vie, nous, on casse la gueule aux élites. Hein. On casse complètement la gueule aux élites. Hein. C'est, 27, 37, 38. Il y a une arnaque quelque part. Chaque attaque du héros non dirigé contre cet adversaire lui fait gagner 1 de... machin qui augmente les dégâts, là. Jusqu'à ce qu'il soit blessé, cet adversaire a 5... Tu veux le blesser. L'adversaire agit toujours en premier. Augmente les dégâts des attaques d'autant de cette valeur. Ok. Ok, ok. Bon, déjà on fait ça. Et on vire ça et ça. Ok. Ensuite. Elle est pas très bien notre main. Hein. Ouais, je rêve pas. Hein. On a une main très nulle. Hein. Sachant qu'on en a viré 2 en plus dans la pioche. Donc là, c'est particulièrement nul parce que. Le problème... Ah si, je peux en tuer un. Non, je peux pas en tuer un. Bon, tant pis, hein, ça les buff. Voilà. Ah bah, il a tiré sur son pote. Tout ça. On a gagné là, non ? Il est bizarre ce combat d'élite là. Ah, toi t'annules une attaque. Donc on va faire ça. Suivi de ça. Suivi de ça. Ah ! Ah ! Ok. Ok. Il y a une icône... Il y avait une icône à droite que j'ai pas vue, bien sûr. On augmente la taille de 1. On est toujours à 0 virus. A chaque fois que cet adversaire change de zone, il gagne 1 de dégâts. Quand cet adversaire détruit, il gagne 15 d'armure. Ouais, mais lui, il a que 15, donc... on va faire ça. Frapper à combien ? À 15 et j'ai 15 d'armure. Donc autant ajouter un virus. Mais d'un autre... Bon, je vais rajouter un virus. Un virus. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a ça. Ah. Si je veux le tuer, il me faut 2 virus. Est-ce que j'ai un moyen d'avoir 2 virus ? C'est quoi ça ? Activité croissante. Non, on n'a pas. On l'avait. Ah non, ou alors celle-là. Non. Non. Alors attendez.
C'est dommage parce que là, je peux ajouter un virus. Je peux monter à 4, mais j'ai aucun moyen de monter à 6. Donc, je peux faire ça. Voilà. Avec. Mince, il m'a pas ajouté un virus. Pourquoi il m'a pas ajouté un virus? C'est les trois lignes qui demandent 7. Il a bloqué. Ah oui, il a bloqué, donc il n'y a pas l'effet. Mince. Ah, je voulais tuer... Bah, j'aurais dû faire l'inverse, du coup. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ah, c'est triste. C'est triste. Ouais, je voulais avoir 5. Pas de solution. J'ai 20 d'armure, il va falloir tuer lui de toute façon. Point le choix. Bon, il y a eu un micmac quelque part. Ok. Buff, il fera pas 7. J'ai 5 d'armure. Ça, on peut défausser des virus. On est qu'à 4. Les animations, elles sont incroyables. Ça, et on pioche. 18. Vas-y. Ah oui, carrément. Ok. Victoire. Oui, c'est mieux passé, ce combat. Au début du combat, ajoutez 2 virus à la défausse. Ça, c'est génial. Chaque combat, une carte 1 base de la pioche se défausse. L'effet se répète une fois par étage. La première fois que vous jouez une carte de manœuvre non passante, non fugace, remontez-la. Elle coûte 2 de moins jusqu'à être jouée. Ah, on va prendre 1. C'est parfait pour notre deck. On veut des virus. Nous, les virus, c'est la vie. Alors, on peut diminuer notre collaboration. On peut améliorer 2 cartes parmi 6 et perdre 15 PV. C'est pas des PV max. Ou améliorer une carte parmi 6. Bon, on est d'accord qu'il n'y a pas photo. On prend 2. Qu'est-ce que c'est 15 PV? C'est rien. C'est rien 15 PV. C'est pas des PV max en plus. Let's go. Améliore juste une carte? Non. Ok, on peut en améliorer 2. Alors, qu'est-ce qu'on a amélioré? Gagner 18, piocher 1, défausser. Ah, je suis. Ah oui, mais c'est pas grave. Vous voyez, c'est la carte de base. C'est pas grave. C'est juste ajouter un virus que vous voyez pas. Gagner 18, défausser chaque virus de la main pour chaque gagner 1. Non. Si la cible est loin, gagner 3. Quand vous jouez 1. Machin. Piocher cette carte et gagner. Mais j'ai des. J'en ai des trucs. Non, j'en ai pas. J'en sais rien. Alors, infliger 12 de dégâts à chaque adversaire, gagner 12 en vous transformant. Mais je me suis jamais transformé. All Carnage, tu peux le tuto avec. Tu peux le tuto avec le premier effet, ça veut dire quoi? Transfo Epo. Ça, c'est quand vous jouez quoi, ça? Quand vous jouez flambé. Quand vous jouez un trait. Ah oui, Carnage à 40. J'avais pas vu qu'il faisait 40. C'est quoi M? Ah oui, non, c'est juste l'autre. Carnage à 40, ajoute un virus à la pioche si la cible est loin. Oui, ça a l'air bien 40 de dégâts quand même. Hein. Carnage à 40, ça a l'air pas mal. Hein. Et après... J'hésite entre les deux. Donc, ça fait un très bon 12 de dégâts et 12 d'armure. C'est très cool. Ouais, peut-être transfo brûlante.
Ajoute un virus à la pioche. Après, il y a un monde dans lequel où on augmente frappe sauvage juste pour ajouter un virus aussi. Ou, ouais, vigueur maudite, bof. Défense forcée, tu pioches. De quoi, défense forcée? Ah, oui. Gagner du vide, piocher 1, défausser chaque virus de la main. Ouais, c'est bien aussi. Bah, ça, c'est toujours bien, c'est 12 et 12. T'as à la fois du défensif, à la fois... Ouais, je vais prendre ça, je l'aime bien, ça. C'est plus simple, mais je pense que c'est efficace. Bon, la petite carte à 42 dégâts. Alors, on peut soigner 30%, augmenter la collaboration. Oh, vas-y, j'augmente la collaboration. Moi, je suis comme ça. Je collabore tous les jours. C'est pas vrai. Bon, je pense que ce sera ça. Après, ça peut être rigolo, mais bon. Ça, on perd rien. Ça, c'est intéressant parce qu'on vire les... Ah, c'est peut-être pas mal, hein, carotropine injectable. On perd rien. On vire deux cartes nulles. On repioche une attaque en plus derrière. Ouais, je pense que je vais tenter la 3. Je veux voir ce que fait la 3, même si ça c'est sympa, mais elle fait pas piocher. Donc, ça m'embête un peu. Tu as... Oui, bah oui, j'ai mes attaques de base. J'ai mes attaques de base. Hop. Donc on va faire ça. Salut Moeltan. Salut Jakan. Je peux jouer une carte en plus avec le mana. Ouais, mais j'ai une carte en moins piochée. Donc c'est à double tranchant. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On a purification, on a massacre, on a ça. Là, par exemple, il y a frappe sauvage. Bon, pareil, on va enlever une frappe sauvage et on va enlever... On va enlever vigueur maudite. Ok. Ensuite, on va ajouter un virus... pour pouvoir taper tout le monde avec ça. On n'a pas vraiment besoin, ceci. Alors, on va regarder les effets. Donc, jusqu'à ce qu'il soit baissé, il a un buff de dégâts. Chaque round, chaque adversaire proche gagne 5 et les autres en gagnent 3. Chaque attaque du héros non dirigé contre cet adversaire lui fait gagner 1. Ultra. C'est embêtant. Mais bon, déjà, on va aller frapper lui pour le debuff. Ok. Là, maintenant... Oui, non, on n'est pas à 3. Il nous faut un virus. Pour avoir un virus, j'ai pas le choix, c'est ça. Ok, on est passé à 3. Là, ce qui va nous... Oh, merci. Il faut réfléchir. Ok. Alors, fais voir... 13 et 11. On a 12 à tout le monde. Et on va vouloir jouer ça. Donc là, on va jouer ça ici. Ok. Il nous reste 4. On veut jouer ça. 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 Bah, c'est pas mal comme premier tour. Il était bien ce premier tour. Et c'était un bon premier tour. J'ai bien aimé ce premier tour. Ok. Donc on est à 4. On n'a aucun moyen de gagner un virus là. On se prend 21. Regardez les effets.
Ah, mais du coup, on n'a pas le choix. Ah, c'est pas bien, ça. En vrai, c'est pas grave. Ah oui, il faut qu'on l'étau si on veut. Bon, c'est pas grave, on va tester. Si la cible est loin, avant de changer de zone, infligez 20 points de dégâts à chaque adversaire proche de vous. Donc ça veut dire qu'on peut tuer lui. Donc lui est loin, on est d'accord. Donc on va faire ça. Et ensuite, on va faire ça. Ok, on va quand même prendre... Ah non, on a encore un mana? Pourquoi j'ai encore un mana? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Le gel cicatrisant pour heal. Il m'a frappé. Est-ce qu'il invoque encore? T'en as pas marre d'invoquer des gens? Ah, il me l'a refilé. On va faire ça. Voilà. Là, on frappe à 36 maintenant, ce qui est plutôt cool. Est-ce que j'ai un moyen? On va faire ça. Ah bah oui! Après, j'ai pas d'attaque. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Et lui, il annule une attaque. Donc je pense qu'on va vouloir faire ça. Voilà. Et là, on prend 7 et 8, 15. On a 0. On veut absolument de la def. Ok, fin du tour. On prend 3, on prend 9. Et il invoque encore. Il a toujours 2 alliés. Ok. Donc là, c'est intéressant parce que on peut sauter là-bas. Donc on va se mettre sur lui, on fait ça, bim, tac, ensuite, on va le tuer, hein. Bim, et bim, ok. Ah mais c'est pas fini. Ah. On n'a pas de défensif. Lui, hein. Ah mais non, j'ai qu'un. Ouais, bon, de toute façon, on va pas faire spécialement mieux. Aïe, aïe. Pas trop le choix, hein. Il lui reste 21. On se protège. On est bon. Choisissez des cartes, gagnez une carte. Pourquoi? Je suis content, mais pourquoi? Ah, je me transforme! C'est ma première transformation! Oh, c'est la première fois qu'on se transforme! Yes! Alors, fugace, gagner 2 énergie, 3, piocher 3 et 4 bonus dégâts. Fugace, effacer chaque virus du jeu, gagner 3, chaque round, gagner 7. Fugace. Quand un virus est ajouté au jeu, gagner un massacre. Bon, vas-y, on va exploser. Hein. Ça sert pas vraiment, hein, mais let's go. Oh là là, on a explosé. C'était beau. C'était beau. Alors. On a pris un peu de dégâts, mais ça va. Et merci, Pokilo, pour les 17 mois et bim! En plus, 3 mois d'avance, c'est beau. Merci, merci.
Ah ouais, mais je suis obligé de prendre le 1. Là, on peut en révéler des nouveaux, mais on est complètement obligé... Ah non, attends. Oui, non, on est complètement obligé de prendre le 1, on est d'accord. 2 virus plus le max de 1, c'est juste complètement pété. Mais on est obligé. On est complètement obligé. Étage 2. Yes, on a gagné. Le jeu est vraiment chouette, hein. Bon, par contre, apparemment, si on veut en révéler après, faudra... Faudra abandonner un anticorum, ce combat gagner 8 et augmenter votre taille, main et... Non, on veut jamais je veux abandonner une de mes reliques, là. Non. Bon, du coup, on est méga fort, là, non? On n'est pas méga fort? Je crois qu'on est méga fort. Ok, qu'est-ce qu'on a? Donc, on est déjà à 4. Est-ce qu'on a un moyen d'avoir un virus? Oui. Non, c'est piocher un virus, mince. On va regarder ce qu'ils font en vrai. Sale bœuf, là c'est bon. Et sale bœuf. Est-ce que j'ai moyen de... Non, j'ai pas moyen d'avoir de virus, hein. Par contre... Bon, de toute façon, on a fini le combat, non? Ah non, il en reste un. Mince, j'ai mal calculé. Ah bah non, si, c'est bon. Oh non, il avait de l'armure. Oh, ce fail enchaîne, là. 10, 26. Ouais, il va rester un. Bon, bah, on va le jouer aussi, hein. Ah, mais ça l'enlève. Ah non, c'est pas bien, faut pas les jouer, les virus. Ah, mais il y en a encore. D'accord. Ah oui, du coup, j'ai viré un virus. Non. Donc, on a ça qui frappe à 40. On voudrait tuer lui aussi. Oh, lui, va nous embêter parce qu'en plus, il a ça, quoi. Donc, on va vouloir... C'est relou. Oh, c'est très moche. Ok. Bon, c'était pas fabuleux. On a pris un de dégâts. Encore ? Bon, lui, on peut le tuer. On est à 5. Donc déjà, on peut faire 15 à tout le monde. 20. Comme 15, mais en plus gros. On a 2 virus. Ok. 25. Je peux pas faire beaucoup mieux. Bon, je vais prendre cher. Aïe. Aïe. Aïe, encore ? Encore ? Donc là, on peut en tuer un. Ça, c'est quoi ? Ah oui, c'est bien ça. Ok. Est-ce qu'on peut en tuer un deuxième ou on n'a absolument pas d'attaque ? On n'a absolument pas d'attaque. Ah si, on a ça. Et ça va pas spécialement nous aider. Ok, on a 53 d'armure, ça devrait bien se passer. Ok. Bah là, on peut gagner. Hein. Pff,
Ah, mais du coup, on est loin. On est loin. Ok, il y avait bien plus d'ennemis que ce que je pensais. Alors, second souffle, 6. Chaque attaque dans la main gagne 3 dégâts. Bof. Bon, ça, c'est correct. Ça frappe tout le monde. Ou alors ça, 12. Chaque round, gagner 2, puis une attaque remonte dans la main. Alors, c'est sympa, mais... Ça peut être méga fort à terme, mais on n'y arrive pas du tout. Est-ce qu'on prend une ventilation? Est-ce qu'on tente la procédure d'urgence? L'avantage de la procédure, c'est qu'elle sort de la pioche une fois qu'on l'a jouée. Mais ventilation est correcte. Ventilation est correcte. Il n'est pas incroyable, mais il est pas mal. Il est pas mal. Et logiquement, on est rapidement à 5, donc c'est une attaque à 14 sur tout le monde. C'est pas incroyable, mais c'est pas mal. 2. Ok. Alors, on peut abandonner... Non. Augmenter votre collaboration de 1, retirer une carte. Oui, moi, j'abandonne pas les anticorps. Je les aime tous d'amour. Donc non. Ok, qu'est-ce qu'on veut? Choisissez une attaque dans la pioche. Piochez là. Son coût augmente de 1. Ses dégâts de 25 et elle gagne passante. Piochez valeur apaisante. Choisissez une attaque dans la pioche. Piochez là. Elle coûte 1 de moins et gagne passante. Deux écoles, deux ambiances, hein. Je dirais la 2 quand même. Je dirais la 2. Parce que c'est que du bonus. La carte, elle coûte 1 de moins. Non, la 2. Clairement la 2. Objectif final. Initial. Mais il est final un peu. Et on doit retirer une carte. Alors, quelles sont les cartes qu'on déteste? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. On va retirer une frappe sauvage. Ça te fait passer une 2 ouais, qui fait genre 40 dégâts à 1. C'est pas mal. Alors, ce combat, augmentez la taille de votre main de 1. Ce combat, augmentez votre max de 1. Bah, écoute. Hein? Écoute. Merci, Pokilo. Merci. Un petit cadeau pour ton travail. Tu as prévu de reprendre BG3 ou t'attends un patch pour l'acte 3? J'attends encore un peu un patch parce que j'ai de l'avance pour YouTube. Mais on verra si à un moment je craque ou pas. Mais j'aurais repris le jeu avant que YouTube soit à jour sur les VOD. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très gentil. Bon, vas-y, on va augmenter le max de 1. Let's go. On purifie. On enlève une frappe sauvage et une vigueur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Piocher un virus. C'est pas incroyable comme main de départ. C'est pas très très bien comme main de départ. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a... Quand cet adversaire détruit, chaque adversaire se soigne de 25. Du coup, on va le focus, lui. Nickel. Ah, mais t'as frappé super fort en vrai. Ok, qu'est-ce qu'on a? On est à 4 de virus. Tuez-les tous. Je pense qu'on va la garder parce que notre main est un peu nulle. Quoique. Ok, pas mal. Donc, là déjà, on peut frapper tout le monde, c'est cool. Lui, on peut le tuer, mais est-ce que j'ai moyen? Donc, est-ce que j'ai moyen de passer à 7? Là, on peut passer à 6. Est-ce que je la tente ou pas? Vas-y, on la tente. Ajouter un virus à la pioche, nickel. Et ça fait 40. Oui, donc on va... C'est dommage, sur la cible loin, c'était pas mal. Mais... Il faudra que j'aille au corps à corps après. Est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas? Bon, je la tente. Ah oui, mais il va se brûler. Oh, c'est pas très grave. En vrai, je pourrais le tuer, lui.
on est à 6. Là, on ajoute un virus, 7. Là, on le frappe. Et... vas-y. Oui, je pense que ça va bien se passer. Là, on fait ça. Puis on fait ça. Puis on fait ça parce qu'on veut se transformer, que c'est trop classe, même si ça sert à rien. Mince, ça lui fait du dégât. Ah non! Ah! C'était pas prévu, ça. Ça, c'est quoi? Quand c'est la tête vers... oui, oui, c'est très bien, c'est très bien. On va faire ça. Voilà. Suivi de ça. Et on a gagné. Ok, c'était bien. Il y a des combats qui se passent mieux que d'autres. Ouais, il y a le logo, mais... j'avais point vu. Choisissez un dans la pioche, défausser, puis remonter là, bof. Bah, je pense par défaut la 3. Au pire, c'est inconsommable, donc voilà, on va faire ça. Ok. Retirer 3 cartes. Non ! Non ! Non ! Non, 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 non ! Alors, ça, on veut pas s'en débarrasser. Bah, le pacificateur d'Agorath, au revoir, hein. Au revoir, pacificateur d'Agorath. J'espère qu'on peut choisir. Ah, mais j'ai pas le choix. Bon, toujours plus un dégât, ok. Au revoir. Très malheureux. Très, très malheureux d'avoir perdu ma relique, là. Alors, on peut augmenter la collaboration, améliorer une carte ou soigner des PV. Vas-y, moi, je veux être full collaboration. Je sais pas ce que ça fait, mais je suis sûr que c'est génial. Qu'est-ce qu'on veut ? Au moins, tu perds rien avec Carotropine. C'est pas ouf, mais... je pense que je vais prendre Carotropine. Non, mais la 3, ça augmente de 1. Ok, plus 25, mais ça fait trop mal. Après, tu peux avoir la traque que tu veux, donc c'est quand même très sympa. Mais ça va faire passer ton attaque à 2 ou à 3, c'est un problème. Ah, c'est peut-être bien quand même. Ou puis on n'en a pas, vas-y, on va prendre la 3. Let's go. J'espère qu'il se transforme une fois que... Gagner un anticorum, retirer une carte, diminuer votre collaboration. Ah, c'était tellement bien le début. Gagner une carte parmi 6, gagner une carte inégalée, améliorer une carte. Ah, moi, je veux pas diminuer ma collaboration. Je l'aime trop. Let's go. Alors, qu'est-ce qu'on veut ? Gagner un drage. Piocher 1. Coup 0. Piocher une carte de coup 0. Ça peut être très bien, ça. Piocher 1, si on a 5, ça fait 5 fois 2. Gagner 12 d'armure. Piocher 3. Au prochain round, piocher 2 de moins. Non, merci. Gagner 12 d'armure et 2 de machin. Gagner 13 d'armure et défausser une carte si possible. Effacer un virus aléatoire. Non. Bon, on va complètement prendre pas de gâchis. C'est parce qu'on est obligé de prendre une carte. 23 fois 2. À la pioche, gagner 5. À la défausse, par un effet, gagner 5. Il y a vraiment aucun moyen de refuser les cartes. Hein. Apparemment, non. Ah, on peut améliorer une carte. Ah, on va clairement augmenter la dernière, mais alors c'est le choix entre les deux, il est bourrin. Hein. Le choix entre les deux, il est bourrin. 75% de chance d'avoir un virus ou 10% de chance d'avoir un virus, mais 20 d'armure à tous les tours. Le 20 d'armure, il est quand même un peu goldé. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, je sais que 75% c'est énorme, mais 20 d'armure. 20 d'armure, 20 d'armure tous les tours. Tous les tours, 20 d'armure. Ah, moi je veux... Ouais, ouais, ouais.
20 d'armure. Hop. Ah non, c'est 10% pour le 20 d'armure aussi. Ah non, je pense que c'est 10% pour le 20 d'armure. Oh non, c'est, on s'est fait arnaquer. Ah non, c'est 10% pour le 20 d'armure. Mince. Qu'est-ce que c'est que ça? Corruption de points vital. Mais je veux pas. Ah non. Des erreurs ont été commises. Frappe avec... voilà. Je pense pas les différences que pour le virus. On va voir. Non, mais je pense que ce serait beaucoup trop fort pour le 20 d'armure. En vrai, je viens de tilter, mais... On est à 4. Il nous faut un virus en plus. On peut avoir un virus en plus. Ça, c'est piocher un virus. Donc, qu'est-ce qu'on a? La première fois que cet adversaire est blessé, il subit 8 dégâts non létaux et gagne 3. C'est pas ouf. Hein. Chaque adversaire ajoute une corruption de points vital à la main chaque round. Si vous atteignez 5, elles sont toutes effacées et la censure arcanique se repaie de votre force vitale. Ah. Ah. Est-ce qu'il y a un monde où on tue quelqu'un? Absolument pas, il n'existe pas ce monde. Hein. Si, il existe. 14 et 17. 11 et 17. Il n'y a absolument aucun monde où... Mais ça n'a pas d'intérêt. Et 9, 26, donc c'est bon. Il frappe à 28 quand même le Billy, hein. Ok. Choisissez une carte, son coût augmente de 1, blablabla. Bla bla bla. Mais il y a ça. Et il frappe à 20. Son coût augmente de 1. Ah. Ah, mais elle coûte 4. Ah, c'est dommage parce que du coup, là, ça fait 25 x 2. Ça, c'est pété sur celle-là, mais elle coûte 4. Après, on peut potentiellement l'augmenter. On va faire ça. Ça, il nous reste 3. Comme ça, on pioche une carte de coût 0. On change ça. On pioche... Chaque round, si cette carte est dans la défausse, remontez-la dans la main, elle gagne 32 dégâts de plus et fugace. D'accord. Donc il nous frappe à 20 et on a 15. On va prendre du dégât, mais je la voulais dans la défausse. Une carte qui coûte un de moins. Peut-être dû faire ça avant. Il nous reste 2. Et il me frappe pas, mais il me met un debuff. Ok, donc là, on va récupérer la carte qui a pris plus 30. C'est sympa, cycle funeste, dis donc. C'est une bonne carte, cycle funeste.
niveau. Hein. Ok. L'encycle Vunès, c'est très très fort. Hein. Hop. Bon, qu'est-ce que vous en pensez du jeu pour le moment? À chaque fois que vous jouez une attaque, elle gagne 2 dégâts. Chaque round, la première fois que vous jouez, que vous attaquez un adversaire, il subit 2 dégâts. Enfin, 2 faibles. Ah non, c'est pas ça. C'est réduit les dégâts des attaques d'autant que cette valeur. Ah oui, ok. Quand un round commence, si vous avez 3 virus ou plus en main, piochez 4, une fois par combat. On est d'accord que c'est pas dit, elle gagne 2 dégâts pour le combat. Hop. Très belle DA, ça a l'air cool comme jeu. Vitesse terminale à 1 L1 plus 2 dégâts, c'est pas mal. Ça donne envie. Saccage de Slay the Spire, c'est fort dans un deck précis. C'est joli, mais je n'ai jamais rien compris. Très sympa, j'en pense que je viens de l'acheter. Belle DA et le jeu donne envie de s'y plonger. J'en pense que c'est un jeu de cartes. J'attends juste de voir la fin de la run, ce que tu débloques, puis j'achète direct. Encore une découverte qui donne envie de jouer. Beaucoup de paramètres différents à prendre en compte pour les combos. Ouais. Bah, on va tester ça parce que si ça les améliore vraiment tout le temps, c'est juste complètement pété. Mais est-ce qu'il manquerait pas pour le combat ou je sais pas quoi? Parce que si à chaque fois que je joue une carte d'attaque, elle prend 2 là, diminue la collaboration, perdez 15 points de vie, améliorer une carte, retirer une carte. Ouais, bon, on va prendre ça, tant pis pour les 15 points de vie. Hein. Alors, là, on est quoi? Améliorer une carte. Ah, mais n'importe laquelle en plus. Oh, elle passe à 2. Oh, vitesse terminale à 2, c'est mieux. Hein. Bon, bah ça, non, c'est inconsommable, donc c'est un peu dommage. Ouais. Bon, j'aurais tendance à dire vitesse terminale à 2. Hein. Ah oui, mais elle est limitée. Ah oui, mais limitée, on a quoi en limité? Mais on a que dalle en limité, on s'en fout. On a quoi en limité? On n'a pas de carte limitée en vrai. Ventilation à 21, ça fait plaise. Ouais. Ça me fait moins rêver. Oh, mais je vais écouter mon cœur. Je vais écouter mon cœur. Effacer une carte. Allez, on a 4 frappes et on a... Qu'est-ce qui nous saoule le plus? C'est les vigueurs maudites qui nous saoulent le plus, non? Qu'est-ce qu'on aime le moins? On préfère les frappes sauvages ou les vigueurs maudites? Mais j'ai l'impression que j'en ai enlevé, que j'en ai toujours autant, quoi. C'est mitigé, la dette originale, le jeu à la soigner. Mais il faut savoir que tu ne débloques rien entre... Ah non, mais je veux rien savoir. Les ouais, vigueurs maudites non améliorées. Ok. Hop. Ah oui, donc c'est un roguelike. C'est absolument pas un roguelite. Il n'y a pas de méta-progression. Ok. Ah, ça, c'est un peu dommage par contre. Ce combat gagné dans le premier round. Ce combat gagné un dégât. Bon, un dégât sur toutes les attaques, ça a l'air bien. Ça, c'est juste le premier round. Mais après, ça fait un bon premier round. Mais non, on va prendre plus un dégât. Ok, qu'est-ce qui se passe? Quand cet adversaire est tué, gagne 2 dégâts, gagne 3 dégâts chaque round. À chaque fois que cet adversaire est blessé, il perd 2 dégâts. Ok. Ok. Donc on vire frappe sauvage et vigueur maudite. Ensuite. On est à 4, on a absolument rien. Donc on a 5. Donc une carte qui coûterait 1 de moins. On veut ajouter un virus, donc un petit carnage sanglant, ça me paraît très très bien. Donc on va faire ça. Ok. Donc on chope une flambée de cobalt. Donc là, maintenant on fait 20 dégâts à tout le monde. Donc ça c'est cool. On va faire ça, on pioche. Ok, il lui reste 53. Ok, c'est très bien.
Par contre, on n'a pas d'armure, ça c'est un peu la loose. Ah, ça c'est dommage, dis donc. C'est dommage, c'était un bon tour. Le problème, là, c'est que je pioche des virus si je fais ça. J'ai combien ? 22. 52, donc ça le tue pas. Attends. Ok. Et non, il n'y a pas d'autres ennemis qui arrivent. Ça pour avoir un petit heal. Alors, on a 3, ça à 54, mais il faut le frapper une fois avec un truc. Ah oui, mais ça, ça marche pas. Ah oui, mince! Ça marche pas. Enfin, je peux pas le tuer. Oh, la loose. Je peux pas le tuer. Il a son armure, donc je peux pas. Ah si, je... Ah oui, mais je peux plus maintenant, non. On lui a viré son armure. Donc, il nous frappe à 12. On a 25, donc on s'en fout. Pas grave, on fera le tour d'après. Alors je disais on fera le tour d'après, mais on pioche pas d'attaque, donc bon. Voilà. Ça y est, on peut le tuer, on a le droit. Non, ça, ça me fait faire... Ça me subit des dégâts. Ok. Good. Il a l'air stylé, et ce jeu, visuellement, il est extrêmement stylé. Maintenant ou jamais. Gagner 12 d'armure, piocher 3 cartes. Prochain round, piocher... Ah oui, non. Ça, ça fait 5 de dégâts. Chaque incubation brûlante augmente ses dégâts de 1. Y a rien d'incroyable. Succession rapide peut faire un peu mal et peut faire piocher, mais sinon... Voilà. Après, il y a un monde dans lequel, maintenant ou jamais, ça te fait gagner le tour ou pas. Non, ça donne pas d'énergie, donc c'est pas ouf. C'est point terrible, hein. On va prendre la une. On va encore faire une VOD de l'infini, ça. Gagner un injecteur parmi 3. Choisissez une carte dans la défausse, retournez-la et réduisez son coût de 2 jusqu'à ce qu'elle soit jouée. Choisissez 4 cartes dans la défausse, leur coût est réduit de 1 jusqu'à ce qu'elle soit jouée, puis piochez 1. C'est mignon, ça. Encre, gagner 8. C'est juste pour le tour, on va prendre ça. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Déjà, on va faire ça, on va virer ça et ça. Ensuite, on fait ça. Il faut que j'en enlève 2. Ah bah go, hein. On a combien? On a 5. On veut un moyen de faire ça. Donc là, il nous faut quelque chose qui nous donne un virus. Donc ça. J'ai pas regardé leurs effets. Ah oui, jusqu'à ce qu'ils soient blessés. À chaque fois qu'un allié est détruit, sa adversaire gagne 3. Bon, ça c'est chiant. Ça va faire ça, tuer, gagner 2. On veut quand même tuer lui. Alors... 1, 2, 3, 4. Mais du coup, j'ai pas d'armure. 1, 2. Voilà. Ensuite, on veut...
Il nous frappe à 18, hein, ça fait très très mal. Hein. De toute façon, on n'a pas méga le choix, donc... Ah non, je l'ai fait dans le mauvais ordre. Non, Miss Order, Miss Order. Voilà. Bon, on a pris du dégât. On a 5. Si vous n'avez pas d'attaque en main, piochez 2. J'ai plein d'attaques en main. On a 5. Est-ce qu'on peut monter à 7? Absolument pas. On va jouer ça. C'est pas grand intérêt, hein. Même si je fais ça, ça... Et il nous frappe à 37. Bonjour. Bonjour, 37. Attends, je suis pas... Vous n'avez pas d'attaque en main, piochez 2. Et elles sont où, mes 2? Ah si, oh mince, c'est une attaque. Oh non, j'ai cru que c'était un virus, c'était une attaque, mince. Je ne pouvais rien faire d'autre. Mais bon, quand même. J'ai le cicatrisant. Mais il est 37. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il a un gros up. Hein. Bon, on est à 25 d'armure. On a eu le proc, donc ça, c'est très cool. On va faire ça pour ce healer. Ok. On a 40 d'armure, donc c'est très très bien. On tank. Donc ça, on veut pas la jouer pour le moment. Combien on a à 31, on va ajouter du virus et on va se transformer pour le finir. Bah on pourrait se transformer pour le finir, sauf qu'on chope pas, donc on va utiliser rage et on va espérer choper une attaque. Bon, bon non, bon, bon non. Bah non. Bah non, non, non. J'utilise pas l'incubateur parce qu'après on le perd. Hein. Et du coup, c'est bon, on peut le tuer maintenant, on a le droit. On va voir si ça buff les cartes entre les combats. Du coup, je pense pas, mais on va voir. Si vous êtes blessé lors d'un round, gagnez 5 armures le suivant. Jusqu'à ce que la pioche soit mélangée, gagnez 2 de dégâts. Chaque combat, gagnez de l'armure égale à 3 fois le nombre de pouvoirs dans le jeu. Quand vous jouez un pouvoir, gagnez 8. Une fois par round. J'en ai 2 de pouvoirs. C'est pas si mal, synthèse de circuit. Puis ça peut snowball. Ça, c'est bien au début, mais après tu perds le up dégâts. Non, je vais prendre le 3. On a combien de points de vie? J'ai amélioré la collaboration. Celle-là, elle est très très bien. Celle-là, elle peut nous healer. Mais non, on va prendre ça. Ça, c'est bien. Plus qu'un pour la collaboration, plus qu'un. Alors, retirer une garde, gagner un anticorum ou gagner un anticorum parmi deux. Ah. Là, on n'a pas le choix, on est obligé de prendre celui qui me file, mais on retire une carte et là, on a le choix entre deux. À quoi sert la collaboration? Ça sert à avoir des capacités données par ton drone. Hein? Ah, allez. Qu'est-ce qu'on retire? Une frappe. Non, je vais encore retirer une vigueur. Ouais, mais après, j'ai plus de cartes défensives.
Ouais, non, le buff marche pas. Du coup, je vais peut-être enlever succession rapide en vrai. Ah non, c'est autant garder succession. Non, autant garder. Hein. Vas-y, j'enlève une frappe. Hop. Chaque round, chaque adversaire subit 3 dégâts dont les taux. Oh, c'est sympa, ça. C'est sympa. Ça peut faire la différence. Ah, donc tous les adversaires qui prennent du... J'espère que ça buffe pas les adversaires. Ce combat gagne 10 d'armure le premier round ou piocher 2 le premier round. Oh, vas-y, on va piocher 2. Je le sens bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Chaque round, un adversaire au hasard est soigné de 15. Et quand cet adversaire est détruit, chaque combattant proche subit 15 dégâts, dont moi. Cet adversaire agit toujours en premier. Ouf. Quand l'adversaire est détruit, cet adversaire gagne 8, je sais pas quoi. Ah ouais, ça va être chiant, ça. Ok. Ah si, 20... Non, c'est juste qu'on a le bonus de dégâts. Bah non, on a que plus 1. Attends, d'où vient... À la base, c'est 25. On gagne 1, donc 26. Non, à la base, c'est même 23. Donc, si ça a pris le up, je pense que ça a pris le up. Je pense que le truc a pris le up. Hein. Donc, ce qui serait très, très fort. Donc, qu'est-ce qui nous reste? La peau métallique... On est à 4. Est-ce qu'on a quelque chose pour avoir un virus? Potentiellement ça, mais bon. Ah, on a ça. C'est peut-être mieux, ça. J'ai quand même du dégât en face. Donc, on est à 5. C'est cool. Donc, on a... Ah, c'est ça, flambée de cobalt. Ok. Là, on a un petit 41 potentiel. Il nous reste que 2, mais il a plus que 17. Oh, j'aurais dû jouer ça pour le 1. Oh, j'aurais dû jouer ça. Ah, mais j'en ai encore. Mince. 32. Ok, 24, normalement. Ah si, quand même. Quand même. On est à 6 de virus. Je peux pas la... Ok. Donc 42. 12, 53, ça suffit pas. Non, on n'a rien qui peut nous aider. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi je peux pas la jouer? Parce que j'ai plus de cartes dans la main. Et il nous reste, on a 28 de shield, on prend 20. Donc logiquement, on est bon. Ok. Donc 49, il est full life l'autre. Et là c'est un nouveau tour. Peut-être pu me transformer. Ah mais... il y a 30. Je peux à la limite tenter avec ça, mais bon.
Ah, c'est moi qui choisis réduire le coût de 1. Ah non, mais ça, ça fait pas piocher. Ça fait pas piocher. Non, j'ai pas encore joué à Death. Je lance après. Juste là, c'est passionnant. Vas-y, allez. Ah si, c'est bon, ça fait bien piocher. Ok, donc on a sorti un. Il fait... Ah oui, il a fait 15 de dégâts. Donc on va quand même prendre des damage. Mais c'est pas trop mal. Subissez 10 dégâts non létaux. Si cette carte est défaussée par la fin de tour, le coût d'une carte au hasard dans la pioche augmente de 1. Ok. Ah, et du coup, ça n'a pas fonctionné. Là, on est un peu mal. J'espère que c'est pas... C'est juste pour le combat, hein. Rassurez-moi. Au revoir. Ok. C'est intense quand même comme jeu. La première fois, chaque round qu'une malédiction est ajoutée au jeu, gagnez 8. Quand un round commence, si vous avez 3 virus ou plus en main, piochez 4. Toutes les 4 attaques que vous jouez, un virus de la pioche est défaussé. C'est pas mal ça aussi. 2 ou 3. Intense et dynamique, ouais. 2. Ah, il faut avoir 3 virus en main. 3. Hein. Ouais, 3, ça me paraît bien. 3, c'est pas mal. Retirer 2 cartes non base. Ah, ok. Ou améliorer une carte parmi 3. Non base. Donc, c'est pas celle que je veux retirer. Oh, vas-y. Qu'est-ce qu'on va améliorer ? 10 x 2, piochez 1. Quand vous jouez un machin, piochez 7 cartes et gagnez 2. 7 x 2... Ah, c'est pas mal, succession rapide en 10 x 2, là. C'est pas dégueu du tout. Ouais, on va prendre la première amélioration de succession. C'est pas mal. Bon, faut qu'on survive à ce fight parce qu'on passe max. Alors, piocher 2 le premier round, ce combat gagne 1 d'énergie le premier round. Peut-être 1 énergie. Purification. Frappe sauvage. Vigueur maudite. Ok. Ah, c'est celle qui augmente le coût de 2, hein. C'est dommage. Ok, qu'est-ce qu'on a ? Fait 25 à chaque adversaire, 25 à chaque adversaire, heal tous les tours. Ouais, donc on veut tuer ces deux-là en premier. Est-ce qu'on peut ? 48, 48, 48, sachant qu'on a ça. Ça, ça ferait 28. Ça c'est dommage. En effet, je peux tuer quelqu'un, mais. Ok. Ah, mais du coup, je peux plus y aller. Ah, mais si, je peux y aller, c'est bon. Dommage pour les 15 dégâts de fin, mais c'était pas mal. Ah, peut-être qu'on les a bloqués, les dégâts de fin. Alors, on peut avoir un autre ventilation de chaleur, on peut avoir accès de violence, ajoute 3, je sais pas quoi, aléatoire à la pioche, gagner 8, ou un autre spasme. Bah, je dirais ventilation, hein, par défaut.
même si c'est pas incroyable. Peut-être la 2 en vrai parce qu'elle est passante et elle... Ah, je sais pas, non, elle met 3 cartes qui polluent le deck. Non, ce sera la même. Ce sera la même. Ok. Alors, faudrait soigner, mais je veux savoir ce que ça fait que d'être maxé. Donc... Passe. Ouais, choisissez une carte, elle coûte un de moins et gagne passante. Ouais, tu peux l'utiliser qu'une fois, du coup. Mais c'est pas mal, du coup, je peux virer. Ah. 3. T'as un 20 dégâts de zone, mais c'est pas non plus exceptionnel. Allez. Boss. Let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On fait 25 aux dégâts, 25. Chaque round, si l'adversaire est le dernier, il appelle des renforts. Ah, mais 604... Ah ! Ah ! Déjà, il faudrait faire ça. Et il frappe à 35. Hmm. 16 x 2, c'est mignon. Dans l'idée, on veut en laisser un en vie. Ça, ça fait 26. On a 38 d'armure, donc on est plutôt bien. Attends, qu'est-ce qui vient de se passer? Ah bah oui, non, ça fait 25 à tout le monde. Bah oui, j'ai pas le choix. Je viens de tilter. J'ai juste pas le choix. Soit j'augmente celle-là. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il va appeler comme Billy? Alors, s'il appelle les mêmes Billy à chaque fois, je pense que c'est pas trop un problème. En tout cas, j'espère... Ah oui, mais ils sont loin. Ah oui, mais c'est bon, j'ai 5. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va buffer ou je sais pas quoi. Oh, vas-y. Chaque fois, elle gagne passante. En vrai, c'est un problème. Hein. Là, je peux débarrasser. On va vouloir jouer ça aussi. Après, je vais pas pouvoir la jouer. Dommage. On est toujours à 4. Bon, vas-y, on va jouer ça. Une
Donc c'est obligatoirement ça, ce qui nous arrange pas forcément. Bah non, on va jouer ces trois là. Hein. Ok. Il frappe à 37, Billy, hein. Ah, il manque un de dégâts. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il va peut-être se passer des bricoles. Bon, là, du coup, il nous frappe à 42. Je suis obligé d'essayer d'aller chercher. Ah, ça c'est pas mal ça. 27. On passe à 7 ici. Il nous reste 1. Bon, parfait ça. Et on va garder rage. Il avait encre, je crois, oui. Ok, les revoilà. Il nous reste 3. On est à 7, donc on peut gagner 1 d'énergie. Donc on peut. C'est pas ouf. Ok. On a que 3 d'énergie, hein. C'est pas non plus. Il nous frappe à 42. J'aurais bien aimé jouer ça, mais j'ai pas tant d'énergie que ça. Ah, attends. Non, ça file pas d'énergie. Ça, je pense qu'on n'a pas le choix. Donc on est à 35, il nous frappe à 42. Si on part du principe... On va prendre 7. Si on part du principe qu'on est full heal à la fin du fight, on va faire ça. 173. Et il nous frappe à 37. Ma ta tête ici, 38, gagne 8, ajoute un virus à la pioche. On va
faire ça parce que... Voilà. Donc là, faut qu'on en tue un. Faut qu'on en tue un. Donc que je joue ça ou ça, ça... Ah si, ça, ça fait gagner de l'armure. Ah, mais ça doit être proche. Mince. Bon, bah tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Ok, 109. On passe à 10, qui nous donne... Défaussez votre main, piochez autant de cartes. Par contre, on va prendre 20. Ok, il lui reste 106. Qu'est-ce qu'on a pioché ? Ok. Il nous fappe à 37, on a 46 points de vie. Il nous reste 4 mana. C'est bon, c'est gagné. C'est gagné. Yes. Ok, à chaque combat, la première fois qu'un adversaire est détruit, gagnez 5. Et du coup, ça, c'est quoi? C'est 5 points de vie? Reconstruction. Ah, c'est peut-être un hot. La première fois qu'un adversaire est détruit, augmentez la taille de main de 1. Oh, je vais tester révélé. Mais est-ce que ça, c'est pour les runs suivantes ou pas? Est-ce que ça, c'est de la méta-progression ou pas? Parce que vous me dites qu'il y a zéro méta-progression, mais ça, ça ressemble à de la méta-progression. Parce que c'est un peu bizarre. Si tu fais 3 fois... Ça ressemble à de la méta-progression, ça, mais je peux me tromper. C'est un peu bizarre, sinon. Il y a une autre étape, je pense. Bon, vas-y, on va voir. Bon, le 1 est très très bien. Mais on va tester révéler pour voir ce que ça fait. Ah non, tu peux. Bon, ça n'a rien à voir. Chaque combat gagne un injecteur volatile. Oh, ça a l'air bien, ça. Ok, donc non, ça n'a rien à voir. Ok. Ok, ok. Bon, étage 3, mais on a déjà une VOD de 2 heures. Est-ce que ce serait pas une bonne idée de couper la VOD, potentiellement de faire une deuxième VOD, voire de dire aux gens, bah, si vous voulez voir la fin du jeu, il va falloir découvrir chez vous. Ouais, ouais. Non, je pense pas que les... Oui, les runs sont pas rapides, mais là, c'est clairement parce qu'on découvre le jeu. Et je pense que, justement, ça doit être génial de voir quelqu'un qui joue super rapidement à ce jeu. C'est sympa parce que c'est un jeu où, pour une fois, tu... Bah, même si la personne joue trop vite et que t'as pas le temps de voir ce qu'elle fait, bah, il y a un côté positif. Tu vois des combats super dynamiques. Alors, on va faire des bisous à tous les glues du tube. Merci d'avoir suivi cette run, parce que sinon, ça va faire vraiment une vidéo très très longue. Et peut-être que vous aurez la suite, c'est possible. Je rappelle que le jeu est à moins 30% sur Steam au moment de tourner cette vidéo. C'est une session sponso, un grand merci à eux d'avoir sponsorisé la chaîne. Et vous avez le lien de du jeu sur Steam dans la description, n'hésitez pas à cliquer dessus. Ça vous ouvre juste la page Steam, mais pour nous, ça aide bien parce qu'ils voient que plein de gens cliquent dessus. Voilà, voilà. Des bisous et à bientôt. Ciao, ciao tout le monde.